21, il y a les 4 cymbales. Elixir. Lui, c'est vraiment un taureau. Et il a vraiment les caractéristiques de la race. C'est-à-dire que c'est un taureau qui est vaillant, bagarreur. C'est un taureau qui, maintenant, il a 10 ans, on le met premier parce que justement, c'est là où s'exprime le mieux, c'est quand on y tombe dessus. Quoi. Voilà. Alors, il a des petits airs de magie, un peu, ses cornes en avant, comme ça. Lui aussi, là, il a les... Alors, ça, c'est Verfeuille. Verfeuille, lui, c'est un taureau barricadier. Il a fait une bonne saison cette année. Toutes ses courses ont été réussies, là. Ouais, c'est un taureau qui est régulier quand on sort en deuxième partie. Bon, c'est un 100, là. Maintenant il va avoir 8 ans, on va le mettre un peu quatrième au trophée d'avenir. Et il va faire une course aux As à Iraga cette année. Voilà. C'est un bon taureau ça aussi. De gauche là, c'est Moscatel, c'est un taureau qui va faire 5 ans. Ouais, c'est un taureau qui va faire que des courses de ligue. Et voilà, on l'a mis avec les gros taureaux parce qu'il a des qualités. Et voilà, au mois de mars, on a une ligue à Saint-Martin, alors on le met là au bon foin là, pour qu'il soit enfant au mois de mars. Après, ça, c'est Hugo en face. Celui qui mange ? Non, celui-là. Ah, celui-là. Ouais. Hugo, il va faire une course aux As à Alès, il va redescendre. Et où c'est que je l'ai mis encore ? Il est le troisième quelque part, je ne me rappelle plus où c'est. Hein. Ouais, c'est trop régulier ça. C'est trop classique, mais régulier. Il a fait une bonne saison aussi l'an passé. Il a raté que sa course du Gros du Roi en fin de saison, là, au mois de septembre. Mais sinon, il avait été très bon aux As à Alès, très bon aux As à Iraga, très bon à Montfrain aussi. Voilà, c'est un tour de sang, pareil, qui fait des barrières sur la gauche. Voilà. Lucky, on l'appelait Lucky parce qu'il a eu la chance qu'on ne le tue pas parce que. Pas trop intéressé par le jeu, il faisait que sauter. Mais il avait quelque chose donc. Alors on attend. Il ne se mettra jamais. Et un jour on l'a mis en emboulé premier pour dire tiens, il va faire une autre course. Et ce jour-là il s'est réveillé quoi, il a été beau. Alors voilà, c'est Milly qui l'a battu comme ça, Lucky, chance. Hein. Voilà, il a eu la chance de se révéler au bon. Ça c'est Fétiche. Hein. Fétiche il est facile à reconnaître avec sa tache blanche au milieu du front. Mmh. Voilà, c'est un taureau qui pour un peu trophée des As. Cette année il va à mourir ça. Sortir à mourir ce premier là. Ça c'est Banache. Hein. Pareil, un taureau qu'on sort en première partie là. Il va faire la finale de la Sauce d'Or à Romulin quoi. Ça c'est Talleyrand aussi qu'on reconnaît bien aussi avec ses grandes cornes en lire. Hein. Sa tache blanche lui aussi. Ça c'est Mangin. Mangin on avait beaucoup d'espoir sur lui là, il y a 2 ans il avait fait une grosse finale à la Cerise d'Or là. Et barricadier et puis il a c'est sûrement fait mal, je sais pas, et il a changé de registre un peu, il est devenu plus classique maintenant que barricadier. Donc maintenant on va le sortir un peu en première partie. Alors, Nemos il s'est révélé en fin de saison là. À Ramon, il avait fait un début de saison moyen, mais dû à sa castration, quoi. On l'avait castré à l'automne dernier. Donc il a fait des courses un peu irrégulières, mais on savait qu'il avait des qualités, quoi. On savait qu'il avait des qualités, et en fin d'année... C'est qui ? Foring. Pareil, c'est un taureau classique. Hein. Sa tache blanche, il est bien particulier. Hein. Non, ça c'est Fétiche, hein. Foring c'est celui-là. D'accord. Ouais, c'est un taureau qui pourrait un peu aller aux As dans les grandes pistes, mais bon, le problème c'est qu'on n'a pas de locomotive pour aller aux As. Alors du coup, celui-là, on a un peu de mal à louer. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un taureau qui fait un peu une grosse anticipation. Hein. Il y a un petit défaut là, c'est que quand tu le laisses tranquille un peu, il se décale un peu vers le milieu, il n'a pas trop de placement.
Alors c'est pour ça qu'on le met devant, et devant quand il a la pression. Ouais. Il avait gagné la Corne d'Or à l'Irak où il était sorti second ou troisième, hein, où il y avait tous les meilleurs là, et c'est. Et il fait une grosse course. Hein. C'est un taureau qui va courir au Flamme d'Or cette année. C'est pas lisse. Alors, le jeune, il s'était cassé un orteil là. Ça s'est recalcifié. Alors... Il est bien fait, mais il n'a pas de corde. Le premier aussi, il va faire que les courses de ligue, c'est pour qu'il va faire 5 ans. 410. Et ça, c'est Chopin. Chopin, lui, il va faire 7 ans. Il avait été très bon au Gros du Roi l'an passé, là, au mois de septembre. Donc, du coup, il est un peu loué cette année, hein, de partout. Voilà. Le dîner, lui, pareil, c'est toi qui va aller au Triandor, et après, il va faire une part de course autre chose à venir, de partout. Il n'y a pas que le même cassure, hein, c'est l'homme de corde. C'est d'être là-dedans la future vedette.
beaucoup de monde hein, que je leur fais profiter d'un voyage, je préfère les amener ici, c'est plus joli, je vois. Après, je leur préfère les cocardiers, mais ici c'est plus simple.